Japan's government announced today that if Mount Fuji erupts, even a small amount of volcanic ash could cripple the Tokyo metropolitan area. The prediction is part of a report, including simulations, announced by the Central Disaster Management Council. It shows that winds could send volcanic ash to the capital, located about 100 kilometers east of the iconic mountain. Less than a millimeter of the powdery substance could cause power grid problems, including blackouts and halting trains. This popular Buddhist temple, built in 1649, is an odd mix of worshippers and tourists. The incense mixes with the smells of vendors selling traditional snacks and sweets. After dark, the place to be is the Shibuya district. It's packed full of people all the time, and at night, the neon signs just glow. It's really famous for what's called the Scramble Crossing. All of the lights at this intersection turn at the same time, so all the traffic stops at once. And the crowds just swarm into the middle of it, fighting to get to the opposite side. It's really quite a sight. Des fleurs pour symboliser les victimes de violences sexuelles. Tous les 11 du mois, le mouvement Flower Demo se réunit dans une quarantaine de villes du Japon. Des rassemblements contre l'acquittement l'année dernière de plusieurs hommes accusés d'agression sexuelle. C'est dégoûtant de se dire que le premier homme que j'ai connu, c'est mon propre père. Je dois lutter en permanence contre l'envie de déchirer mon corps. C'est la première fois que cette femme raconte son traumatisme en public. Elle affirme avoir été violée dans son enfance par son père. Elle a longtemps refoulé son secret. Au Japon, les victimes de viol doivent prouver qu'elles n'étaient pas capables de résister physiquement à leur agresseur. Une difficulté qui permet à bien des accusés de s'en sortir. Tokyo is a perfect city to people watch. And Harajuku, a pedestrian-only street, is the perfect place. Harajuku is to Tokyo what the East Village is to New York. It's really the counterculture hub of the city. Students head to the shopping district to see and be seen. Depuis quelques mois, une autre cause fait polémique. Les obligations vestimentaires imposées aux femmes. Jupes et talons hauts. C'est l'uniforme implicite dans beaucoup d'entreprises. Certaines employées en ont ras-le-bol. Elles ont lancé le mouvement Kutu, alliance des mots chaussures et douleur en japonais. Une pétition a été déposée au ministère du Travail. 32 000 personnes l'ont signée. Le combat contre les talons hauts n'est pas gagné. Au moment de la polémique, le ministre du Travail en personne a pris la défense de cette tenue vestimentaire qu'il a jugée nécessaire et acceptée par la société japonaise. If you want to take a break from the chaos and find a little calm in the city, head to any one of the many Tokyo parks. This one, Hamariku Gardens, in the southern part of the city, is a perfect place to picnic or rest a few minutes and enjoy a cup of tea. The tea house, originally built in 1707, was used by shoguns and imperial court nobles who enjoyed the view and the relaxed atmosphere. Mind you, the view has changed quite a bit since the 18th century. Les femmes jouent un rôle essentiel dans la troisième économie du monde, mais elles souffrent d'importantes inégalités salariales et n'occupent qu'environ 10% des postes à responsabilité. Un domaine en est le symbole, la sphère politique. Au gouvernement, trois femmes seulement sur 20 ministres. From the 54th floor of the Tokyo World Trade Center, the city looks like a scene from a sci-fi movie. Skyscrapers as far as the eye can see. But on the ground, visitors have plenty of new and old world experiences to choose from.